Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady qui se situe maintenant à Enford-on-Bagley avec une nouvelle maison, la maison des nobles, et avec nos petits nobles à nous, Althea et Wilhelm, qui sont tranquillement en train de repayer parce qu'il faut bien se reposer après des petites journées quand même. Ça va, c'est pas trop lourd à supporter, mais parce que aussi. Eh oui, des nausées matinales pour Dame Althea. Ah oui, ma biche, Dame Althea qui a vu sa garde-robe un peu revisitée. C'est normal, hein, le nouveau rang, nouveau statut, donc nouvelle garde-robe. Et Althea attend un heureux événement. Enfin, heureux pour eux, malheureux pour moi, parce que les cris, tout ça, ça va recommencer, encore une fois. Eh oui, même pour Wilhelm, la perte de sa belle-mère lui a fait un coup. Sachant que sa mère est morte déjà depuis un moment, donc peut-être qu'il avait fait un report de cet amour maternel qu'avait Adélie pour sa femme. Eh ben, il l'avait pris aussi pour lui. En tout cas, maintenant, Adélie est partie. Petit déj en amoureux. Bon, ça a l'air d'aller mieux pour Wilhelm. Si tu peux lui remonter le moral, fais-lui des grimaces et compagnie, hein, parce que bon, faut qu'elle rigole, la petite. Elle est enceinte! C'est sympa en général. Enfin, je sais pas moi, mais dans les films, en général, ils sont contents. Ah, la petite gerboise du matin. Les pancakes, ils sont pas passés. Si tu peux nettoyer, s'il te plaît, tu seras adorable. Et t'as aussi la vaisselle à faire. Non, Wilhelm, non. Tu es gentil, mais non. Je sais pas, va courir, tiens, pour l'instant. Va courir, ta femme va s'occuper du reste, t'inquiète. Petit footing. Dans le nouveau décor d'Enford-on-Bagley, ça n'a pas de prix. Vraiment, la campagne, c'est vraiment l'élément parfait pour ce genre de challenge médiéval où on n'a pas besoin d'avoir trop de choses modernes. C'est vraiment parfait. Et voilà, elle a terminé un petit bonnet. C'est génial. Tu vas le détricoter maintenant. Bah oui, parce que c'est comme ça. Tu tricotes. Parce que avec le kit tricot, je n'autorise vraiment que les grenouillères. Puis bon, là, je pense pas qu'elle arrivera au niveau 8. Avant l'accouchement, mais bon, au moins ça l'occupe. Tiens, qui vient nous rendre visite? C'est Papou, le papou de Wilhelm. Tu l'invites à la maison, quoi. Regardez comme elle est belle, la douce Althea, avec son gros bidou et sa jolie robe rose. Elle va annoncer à son beau-père que, ça y est, hein, la descendance est en route. Hein. Est-ce qu'il sera content? Faut préparer un héritage, hein, papy, parce que ton petit-fils ou ta petite-fille aura besoin de tes sous, hein. Voilà. Alors qu'Althea reprend sa toile qu'elle avait commencée dans le dernier épisode, hein, qui nous a coûté 100 simflouz alors que je l'avais pas autorisé à le faire. Eh ben, on regarde un petit peu, elle est dans au troisième trimestre dans 7 heures. Ah oui, donc il va falloir attendre encore un petit peu, donc ça va se situer quand même aux petites heures du très tôt le matin. Et ce sera pas cette nuit, ce sera la nuit prochaine. Très bien, on se prépare. Voilà, elle a terminé sa toile, c'est une classique normalement, hein. 249 ? Oh ouais ! Attendez, elle l'a pas fini. Voilà, c'est réussi. 249. Très bien. Tu vas le mettre dans ton inventaire et puis on vendra ça à prochaine fois. Bah comment ça ? Tu récupères pas des poissons, William ? Il faut récupérer des poissons, hein. Ah bah oui, un appareil photo. Bah oui, ça va vachement nous servir, tiens. Mais c'est vrai que je l'envoie pêcher, j'avais oublié qu'il était délicat. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah il est mignon ton poisson, un verron. Avec ça, ta femme va pouvoir faire des bons petits plats, hein. Enfin, vraiment des très petits plats, mais ils seront sympas. Ah, elle est contente! Elle a fait une autre petite paire de chaussettes. C'est génial, ma cocotte. Bon, par contre, tu vas l'épicer, parce que sinon, tu vas te faire dessus. Et c'est pas trop ce qu'on veut, quoi. Ah, par contre, ça y est, il est dans la dernière ligne droite. Donc, c'est vrai qu'il est 3h du matin. J'avais pas vu l'heure! Voilà. Donc, accouchement dans moins de 24h Sims. C'est bien. Pour aller se coucher après. Oh là là, bébou arrive. Oh là 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 là. Oh ma belle Althea, ça y est. Oh la vache, ce ventre qu'elle a. C'est la dernière journée que vous aurez en étant de simples jeunes mariés et pas encore des parents. Oui, ce petit machin dans ton bidou, il va changer toute votre vie. Et pour l'éternité, évidemment. Ma chérie, tu es belle. Voilà, tu es comme un plat italien, tu sais. Tu es succulente. Ah, c'est ma chérie, mais... Tout est belle, j'ai envie de te manger comme les spaghetti boulettes. Hein. Mais bien sûr, tricoter au coin du feu. Tant que ça prend pas feu, hein, c'est pas mal. Pour attendre petit bébou, alors vous êtes un peu mitigé dans les commentaires. Vous m'avez dit quand même pas mal de garçons.
Quelques-uns m'ont dit des jumeaux quand même, hein, mais il y en a d'autres qui ont dit non, ça saute une génération chez toi, donc ce sera pas de jumeaux pour cette fois. Et puis après, on verra bien, forcément. Il y a niveau 3 de la compétence tricot. On est loin de la 8e, de 8, hein. Je sais, j'ai bien conscience. Mais bon, elle va s'occuper. Willem, il va dire bonjour à ses petits oiseaux, hein, qui avaient l'air de l'apprécier. Attends, Jean-Claude, interaction sociale. Ah, tu peux pas chanter. Willem a besoin d'une meilleure relation avec la volée. D'accord. Et pourquoi tu parles de vers de terre, toi? T'as deviné, hein? T'as deviné qu'il était un petit peu délicat sur les bords. Et t'aurais un cadeau? Non. Par contre, offrir un livre. On va offrir ses devoirs. Mais bien sûr, offrir un poisson. Et on va offrir un poisson bonbon. On va voir ce que ça donne, en vrai. Peut-être qu'ils vont kiffer. Tiens, petit oiseau. Oh, ils ont apprécié le bonbon. Le poisson bonbon, je veux dire. C'est trop cool. GG. Oh non, LT1, non, j'en ai marre. Une toile pop art, non. Tu nous as flingué sans sinflous, idiote que tu es. Ah, et en plus, tu veux pas tricoter, tu me saoules. Non, t'as flingué sans sinflous, meuf. Ah, je peux vous dire que j'ai envie de la tuer, là, tout simplement. J'ai dit abandonner, hein. Tu abandonnes, allez, tu y retournes. Sans simflouze. Et ça fait un berceau. Hein. Oh là là. Ah tiens, Willem, il s'est trouvé un autre copain roux pour discuter. Bah vas-y, présente-toi. Hein. Ça peut être un bon pote. Oh la vache, la robe d'LT1 qui passe à travers la table, c'est juste horrible. Et alors, ça lui fiait pas du tout, cette robe-là, en étant enceinte. Hein. Oh mon Dieu, non. C'est, on dirait de montgolfière, la pauvre. Regardez-la, la perfide. Hein? Contempler, ouais, c'est ça, ouais. Dis, tu vas t'asseoir, tu vas tricoter. Vêtements tricotés, tu vas encore tricoter des chaussettes. Oui, j'ai dit beaucoup tricoter. Eh ben, en tricotant, tricotax. Voilà. Tu tricotes, tu t'occupes. Après, t'auras un enfant, tu auras t'occuper de lui en permanence. Au moins, tu dépenseras pas tes sous pour rien. Regardez comme ils sont mignons. En lévitation, sans aucun banc pour s'asseoir. Ouais, après, c'est vrai que quand ils tricotent, les Sims, ils parlent pas forcément, ils discutent pas, en fait. C'est un peu bizarre, c'est dommage. Ah oui, petite chose aussi, je ne vous l'ai pas dit, vu qu'ils sont devenus nobles, le nom de famille a changé, il s'appelle donc Nevers. Alors, je sais qu'on a un petit peu perdu la consonance O et R. Le O, ben, en fait, j'arrivais pas à trouver un truc joli avec O et R. Et je me suis dit, Nevers, c'est sympa. Et puis, ça reviendra peut-être pour la dernière génération. Qui sont mignons. Par contre, elle est énorme, la pauvre. Bon, la jolie LTA est partie un petit peu se reposer parce que bah, la grossesse et ce bide énorme, ça pèse. Elle est partie faire sa petite sieste à l'étage, alors que le jour tombe. Bien sûr, le bébé va pas tarder à pointer le bout de son nez au milieu de la nuit. Je sais pas pourquoi, mais j'envoie Willem pêcher encore une fois. Bah, je me dis quand même, ça l'occupe. Il faudrait que je le mette à la peinture, mais vu qu'on a un budget assez serré là, hein, ouais. Surtout qu'on doit acheter, on a perdu son simflouze et on doit acheter le berceau pour le petit, donc forcément, ça pêche un peu là en ce moment. Allez, respire profondément, ça va aller, tout va bien. Il y a pire que les poissons, il y a les araignées, il y a les serpents, il y a tous ces trucs dégueulasses aussi, hein. Alors. Althea s'est reposée un peu. Elle va maintenant un peu détricoter les chaussettes qu'elle a faites. Elle en est combien maintenant au tricot? Elle est au niveau 3,5. Ouais. Je pense qu'elle pourra faire des grenouillères une fois que tous ses enfants seront nés. Hein. Alors, combien d'enfants je vais faire? J'en sais rien encore pour l'instant. On verra de ce qui arrive. Hein. On verra de ce qui est pondu. Bon, c'est vrai que j'aimerais avoir au moins tout. C'est-à-dire deux garçons, deux filles. Histoire d'avoir un garçon blond, un garçon roux, une fille blonde, une fille rousse. Comme ça, ça laissera le choix. Mais ça, c'est pas moi qui décide, c'est le jeu. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Oh mon Dieu, et lui, il se remet à chanter devant l'évier. Toi, je sens qu'il a fait la vaisselle, lui, alors que je lui ai demandé. Ah bah oui, bah bien sûr. Incroyable. Ah bah voilà, il s'est dit, oh finalement, je vais aller draguer ma femme. Oui, c'est vrai qu'il y a un pipi qui urgeait beaucoup, là. Et elle arrive à mieux gérer sa vessie que sa mère. C'est une bonne chose. Oh, mais ça lui fait tellement des seins incroyables. Ah bah voilà, Willem, tu savais pas quoi faire. Viens donc réparer les toilettes que ta femme vient de casser. Voilà, le toilette est réparé. Je pense que tu peux être couché, mon petit. Parce qu'en plus de ça, elle est en
pleine forme, regardez-moi ça, toutes ces barres vertes au max. Ah ouais, la grossesse lui réussit plutôt pas mal. Le petit berceau de futur bébou est déjà installé. J'en ai... j'ai pas mis autre chose parce qu'on n'a vraiment pas les moyens de décorer. Ça viendra peut-être avec le temps, sûrement, du moins je l'espère. Pour l'instant, en tout cas, bébou est attendu, n'est-ce pas? Je vous vois dans les commentaires. Et hop, une nouvelle toile de fini. Alors avant qu'elle fasse n'importe quoi. 135. C'est pas énorme. C'est toujours ça de prix. Et puis, bon, bah il est 2h moins le quart du matin. Je pense que tu vas quand même aller au lit. Mais je pense qu'en vrai... En vrai, là, ton accouchement va vraiment pas tarder. Ça clignote pas encore, mais ça va pas être très très long. Et voilà, le travail a commencé, 3h16 du matin. Est-ce que tu as ta vessie qui descend? Ouais, je veux que tu ailles quand même faire un pipouze avant parce que c'est mieux. Tu auras la vessie complètement clean pour pouvoir mettre bas. Et ensuite, tu pourras avoir un bébou. Oh, ça y est, oh là là. Oh là 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 là, Willem, je pense qu'on va te réveiller, mon petit. Panique préparentale, comme on appelle. Regardez-moi ça, il est zen, il est zen. Et il l'est plus du tout. Oh mon Dieu, tu veux dire qu'il y a un être humain qui va sortir par là? Par là? Comment c'est possible? Bah c'est possible, grâce à la carte Kiwi. Mais si, c'est possible. Bon, ça y est, c'est le moment. Oh là là là. Allez, mes petits nobles chéris. Il est temps de devenir parent, garçon, fille, jumeau ou pas, en tout cas, il y a toute la place. Et ce petit bébou sera bien sûr très très bien accueilli. J'ai ma petite liste de prénoms. Il reste depuis qu'à savoir ce que c'est. Qu'est-ce qui sort du four? Qui est tout chaud et qui crie? C'est un bébé. Ça y est, imaginez, je suis en stress. Je sais pas pourquoi, c'est le premier. Bon, c'est le début des emmerdes aussi, hein. Vous savez à quel point j'aime les enfants dans les Sims. Qui crient tout le temps, tout ça. Enfin, c'est pas pire que les bambins. Et c'est une petite meuf. Yes, on commence, eh bien j'ai envie de dire, à part la génération fermier, on a commencé avec une meuf. Je vais choisir mon petit prénom. Allez, puisque c'est un prénom qui commence par un G, il a une vraie consonance un peu historique, puisque ce sera Guenièvre. Guenièvre Nevers vient de naître, et attention... Seul ou pas? C'est ça, là, c'est ça la grosse question de cet épisode, en fait. Hein. Je sais que vous attendez que ça, de savoir si elle sera seule ou pas. Hein. Attention. 3, 2, 1. Et elle est venue toute seule! Mais quelle bonne nouvelle! Eh ben, GG à ceux qui ont dit une fille solo. Bah, alors là, il est venu direct voir sa fille. C'est-à-dire que même Altea, elle peut même pas venir lui donner à manger, quoi. Ah bah oui, bah tu fais pleurer cet enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Altea a allumé la cheminée dans la chambre de sa petite. Faut pas qu'elle ait froid. Bah oui, tant qu'à faire, vaut mieux allumer dans la vôtre aussi. Hein. Quoique après, il y a un autre moyen pour vous réchauffer. Hein? C'est ce qui a amené l'arrivée de la petite Guenièvre. Eh oui. Bon, après, elle a retrouvé sa poitrine un peu plus normale. Altea, c'est mieux hein, quand même. Alors non, vous inquiétez pas, ils vont pas s'y mettre tout de suite. Se battre? Ah oui, non, bagarre de quartier, j'allais dire, mais quelle est cette sorcellerie? Et elle le masse. Bah c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Bon, ils vont pas tout de suite faire un bébé, hein. On va se laisser un petit peu quelques heures, histoire de se reposer. Et puis comme ça, la petite Guenièvre, elle aura le privilège d'être la première possible héritière de cette génération. Peut-être une future seigneur, hein. On sait pas. Ah... Le doux bruit, le doux murmure de l'enfant qui pue et qui pleure. Quel bonheur, hein? Ça ne savait pas manquer. Voilà une bonne petite fille. Oh là là. J'espère qu'elle sera... Je sais pas. Une petite rousse. Ce serait bien. Ouais, je kifferais. De toute façon, rousse ou blonde, elle me plaira. Parce que justement, c'est les deux couleurs de chaud que je préfère dans les Sims. Donc, je serais contente. Voilà ce que ça donne, un homme heureux. Il chante. Il chante tout le temps, lui. Il a que ça à foutre. Chanter. Allez, bon, on est à 233 simflouzes. Et ben, tu vas commencer à nous faire des petites toiles classiques à 50. On va vraiment dépenser tout notre argent. Comme ça, de toute façon, ils en auront plus pour faire d'autres toiles. Voilà, il peut en faire 4 à l'heure actuelle. Donc, c'est hyper bien. 4 qui vaudront, j'espère, vers 100 simflouzes. Pourquoi pas? Parce que là, le début va être tendu, hein. Surtout quand on nous gage de l'argent, hein, Altea, hein. J'ai rien dit, hein. Oh merde! La petite pleure, j'ai pas fait attention! T'es mignon, tu parles à ta fille, tu peux lui faire une grimace, tu peux la bercer le temps que maman arrive, et... parce que maman, elle est en train de prendre son bain, là. Ah bah, il nous a fini sa première toile, 69!
Sinflouze, médiocre. Ok. Bon, c'est pas le meilleur investissement, mais c'est pas grave, hein. Il va persévérer, hein. De toute façon, il est obligé. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, une nouvelle œuvre d'art. J'espère qu'elle vaudra cher, mon petit, hein. Hein, oui. 3000 Sinflouze au moins, hein. Voilà. Petite Guenièvre va beaucoup mieux. Elle a son repas. Tout chaud, tout prêt et livré à domicile. C'est pas merveilleux, ça. C'est comme ça, le progrès. Et une deuxième toile de terminée. 116 Sinflouze. Mais c'est beaucoup mieux, ça, mon petit. Bon, bah, allez, hein, tu vas encore en faire une. Hein. Pose cette assiette. Voilà. T'as fini ta nouvelle toile. Oh, un superbe lama rose. Enfin, blanc. 100 Sinflouze. Bon, c'est bien. On a misé on a doublé la mise. Bon, il nous reste 67 Sinflouze. Tu vas me faire une dernière. De toute façon, là, on ne pourra plus rien faire d'autre. On sera ruinax. Mais au moins, ça marchera comme ça. Et puis, ils pourront plus se payer des toiles à 100 Sinflouze. Hein? Non, je dis ça comme ça. Oui, t'as remarqué que l'assiette, elle puait. T'inquiète, tu feras la vaisselle après. Ok, il m'a encore fait une autre toile de lama. 113. Oh, bah voilà, ça c'est bien. Ça nous assure un revenu de presque 100 Sinflouze. Parce que cette génération... Mais que si c'est celui-là encore? Oui, je disais, cette génération, c'est 15% au seigneur. Donc c'est de moins en moins cher. Bah, d'accord, Guillaume Bord, encore un... Je ne sais pas qui tu es. En tout cas, tu as besoin de relooking, mon petit. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Mais il fait un peu peur, quand même. Hein. On en profite pour venir chercher un peu de l'eau. Tu veux patauger, non? Ouais, patauge un peu, là. On rigole. Elle aussi. Hop. Oh, Colombe! Félicitations sur les vœux d'élèvement. Merci pour ton télégramme. Enfin, pigeon voyageur ou je ne sais quoi d'autre. Oh, regardez comme ils sont beaux et amoureux. Ils ont laissé leur fille toute seule dans leur maison. Ils ont peur de rien. Bon, ça va. Dans les temps qui couraient, peut-être qu'à l'époque, il y avait un peu moins de pervers. Enfin, j'espère pour eux. Voilà, là, ça fait des bêtises, hein. Allez, il commence à se faire tard, vous allez rentrer quand même. Hein. Vous avez une petite fille à la maison, il va falloir un peu s'en occuper. Bon, il reste 17 Sinflouze dans le portefeuille, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai peur des factures qui vont arriver, hein. Je vous le dis direct. Eh ben bravo! Voilà un évier de cassé. Bah oui, tu casses et tu te plains. Non mais n'importe quoi, hein, Althea. L'équipe de vainqueurs, il y en a un qui répare, il y en a un qui essuie. Et ouais. Au moins, c'est un couple qui s'entend parfaitement. Mais dis donc, là. Ils seraient pas un peu des mamours, les deux? Oh bah, c'est la fin de journée, hein. Puis la petite, elle a été très calme. C'est bizarre. C'est pas logique, ça. Je pense que je vais aller leur faire un petit crac-crac. Et bien sûr, comme vous en doutez, la petite va se mettre à hurler à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. On va tenter quand même le petit frère ou la petite sœur. Hein, et les paris seront réouverts, je pense, dans les commentaires. Enfin... Si ça fonctionne, hein, je sais pas. Hein. Et ben voilà. Je vous l'avais dit. Ils sont même pas encore commencés de s'amuser que ça y est. Guenièvre est déjà en train de pleurer. Le caca aux fesses. Bah tu laisses tes parents finir, ma bichette. Parce que là, c'est plus important quand même le crac-crac. Et ouais. Allez, Althea, tu te reposes pas sur tes lauriers. C'est toi qui t'occupes de la petite. Ah oui, là, parce que là, les cris, j'en peux plus, là. Allez, dépêche-toi. Oh là 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 là, comme ça fait du bien. Et tu vas en profiter pour la nourrir également. Comme ça, elle l'ouvrira juste un peu moins. Oh, l'esprit d'Amédée est en train de disparaître. Oh non. Oh, ça fait longtemps qu'il est parti maintenant, mais bon. C'est toujours triste. Allez, c'est sur cette petite scène où Althea, peut-être enceinte, peut-être pas. Les paris sont ouverts. Est-ce que ça aura marché? N'hésitez pas dans les commentaires. Que moi, je vais vous laisser. En fait, j'espère que cet épisode vous aura plu, que l'arrivée de Guenièvre vous aura mis en joie et peut-être l'arrivée d'un deuxième déjà. Et ouais. Alors ben on chôme pas. Hein. Mais en même temps, c'est mieux pour les élections après que les votes soient faits d'une seule fois et pas trop éloignés. C'est pour ça que je les enchaîne toujours un peu. Allez, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ça pour le soutien. Et merci à tous d'être là toujours et encore. Des bisous. Ciao.